Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, présente. Thirteenos, mémoire de radio, présente. Dreizehnos, mémoire de radio, présente. Terre des enfants, une émission réalisée avec le concours de Jacques Duchâteau, jouée par Chanty, Michel Dumur, Geneviève Druon, Marianne Oswald et Annie Pierre, Pierre-Olivier, mise en onde Christiane Mallarmé. Aujourd'hui, le fleuve magique. Aujourd'hui, vous allez assister à une aventure pas ordinaire qui a lieu dans la forêt vierge, près des eaux du fleuve magique. Nous sommes dans la zone forestière du Gabon sur les rives du fleuve Ogowé. Des masses noirâtres sortent de temps en temps leur gueule énorme hors des eaux. Ce sont les hippopotames qui habitent le fleuve. Dans les forêts immenses, il y a des arbres dont le bois est très recherché en ébénisterie. Mais avant l'exploitation de ces richesses forestières, il a fallu que des hommes courageux, des explorateurs célèbres, comme par exemple Caillé, Braza et d'autres, viennent prospecter au prix de 1000 souffrances et même de leur vie. Et les indigènes, comment vivent-ils aux abords du fleuve et dans la forêt ? Ils travaillent durement, car la terre n'a pas beaucoup de valeur par elle-même. Elle appartient à qui la défriche et à qui la cultive. Les indigènes y enlèvent les broussailles, les mauvaises herbes, les arbrisseaux, à la recherche des richesses dans le sous-sol. Même des arbres géants comme les palétuviers centenaires. Et des arbres à pin. Le pin pousse sur des arbres en Afrique noire ? Ce ne sont pas des arbres avec des petits pins, Michel. Mais on tire de certains arbres une farine qui sert aux indigènes pour faire une espèce de pain. Nourriture principale des familles bûcheronnes. Vous entendez ? Le rythme des scies, des haches luisantes qui s'attaquent au pied des arbres. Oh, ça doit leur faire mal. Oui, il souffre l'arbre. Un vent terrible balaye la forêt. Les branches tremblent de peur. Un horrible rongeur sans queue s'avance. Grâce à des doigts prenants, il peut grimper aux arbres les plus hauts même. Ceux à écorce lisse. Sans cri et lugubre. Il met en fuite même le léopard, qui est son pire ennemi. Si tu vas dans les bois, prends garde au léopard. Il miaule à mi-voix et vient de nulle part. Au soir, quand il ronronne, un gai rossignol chante. Et la forêt béante les écoute et s'étonne. S'étonne quand ces bois viennent le léopard, qui ronronne à mi-voix et vient de nulle part. Voilà l'appel du toucan et de la cigale tropicale. Elle aussi
sont furieuses lorsqu'on abat des arbres. Je connais une légende qui dit que l'homme qui s'attaque fétiche sera à son tour blessé en sorte de représailles. Elle est vraie, la légende. Ces arbres ont vu passer les hommes et des choses. Ils sont vieux comme la terre. Les Ouabès, une vieille race nègre, prétendent que ces arbres sont des anciens corps de guerriers du premier roi nègre. La région est peuplée de singes qui se dissimulent derrière les feuillages. Des milliers d'yeux guettent le passant. Voici le patriarche vêtu de longs poils noirs tout luisants. Il porte une collerette de poils blancs. Eh bien, le patriarche ne doit pas approuver les vilaines paroles qu'un tout petit singe lance sur la tête d'un enfant nègre en même temps que les coqs de cacahuètes. Tiens, vilain aigrichon, tu ne peux pas comme moi te tenir suspendu dans les airs, ni sauter de branche en branche. Et puis t'es noir, comme la nuit. Tu es sale, moi j'ai les mains roses. L'enfant nègre, en sanglotant, se réfugie auprès du bûcheron, son père. C'est lui qui le console. N'écoute pas ce vilain singe. J'ai peur. Tu as peur de quoi? Le petit singe l'a bien dit que je suis sale et bête. Père, pourquoi sommes-nous noirs comme la nuit? Nous sommes tous pareils ici, mon garçon. Et puisque tu ne veux pas me croire, je t'envoie aujourd'hui même à la case de Boudou, ton oncle. Là-bas, tu verras que tout le monde est comme nous. J'ai peur. Je n'ai jamais quitté notre case. Père, je... Oui, mais c'est pour ça que je t'envoie chez ton oncle. Tu y verras beaucoup de gens qui sont comme toi et moi. Et voilà l'enfant en marche. Un peu inquiet, mais joyeux quand même à l'idée d'une aventure. Il revient affolé et se jette dans les bras de son père. Papa, j'ai vu des hommes noirs, mais ils tapaient sur de grandes boîtes et puis ils trépignaient sur place. Des hommes et des femmes, et puis ils tombaient par terre. Voyons, c'est le tam-tam que tu entends tous les jours dans les forêts. Les hommes et les femmes dansent. Quand la fête a lieu près de nous, tu m'as toujours envoyé dormir. Eh bien, je t'envoie maintenant chez l'oncle Tamatou, le plus grand bûcheron de la région. Là, tu prendras contact avec beaucoup de monde. Ne vont-ils pas aussi me dire, comme le singe, que je suis sale? Mais non, je t'ai déjà expliqué que c'est un vilain menteur. Il est jaloux de toi, mon enfant. Tiens, Marie, chez l'oncle Tamatou. Là aussi, il y avait fête. L'enfant peureux, la tête entre les épaules, le regard baissé, fut accueilli par des moqueries d'autres garçonnets noirs qui s'amusaient et plaisantaient. Approche! Approche! Comme t'es drôle. On dirait que tes yeux ressemblent à des boules de loto. On dirait qu'il est né avant-hier. Comment t'appelles-tu? Avant-hier. Tu dois pas être très dégourdi. Viens, approche. Un peu de bon vin de palme te fera du bien. Comment t'appelles-tu? Vin de palme. Il est tellement petit que l'on pourrait en mettre 10 comme lui dans la marmite. Comment t'appelles-tu? Marmite. Et le pauvre Tiam s'enfuit. À peine avait-il fait quelques pas qu'il entendit une petite voix. Ep! Ep! Où cours-tu si vite? Je m'en vais dans la forêt. Pourquoi t'enfuis-tu? Parce que tout le monde se moque de moi. Pourquoi se moque-t-on de toi? Le petit singe accroupi dans les branches et les garçons ici ont dit que je suis sale et sot. Tu n'es ni sale ni sot. Tu as de jolies boucles crépues comme moi. Je te trouve très gentil. Comment t'appelles-tu? Tiam. C'est vrai que tu me trouves gentil? Qui es-tu? Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Dors, mon petit Jimbo, la forêt est tout endormie, dors, le ciel tout là-haut. Le bon Dieu allume ses bougies. Dors, mon petit Jimbo. Demain dans la belle prairie, tu pourras t'amuser dans l'eau. L'eau de la rivière est jolie. Dors, mon petit Jimbo.
depuis que le monde roule sa bosse de tous les animaux. Les hommes sont les plus féroces, mais le petit Jimbo n'entendit pas la chansonnette, car il s'est endormi trop tôt. Il est mort d'une balle dans la tête. Je m'appelle Jimba. Je suis la petite fille de la forêt. Et je ne mange jamais. Je te trouve aussi très intelligent. Et je t'épouserai quand nous serons assez grands. Alors tu seras ma femme, comme ma mère est la femme de mon père. Tu m'obéiras. Et toi, tu me protégeras. Oui, quand je serai grand, je serai très fort. Il faut que tu apprennes à devenir fort dès maintenant, Tiam. Il ne faut pas t'enfuir, même si l'on se moque de toi. Alors, je resterai ici? Va te reposer maintenant. Le jour aussi a sommeil. Bonne nuit, Tiam. Bonne nuit, Jimba. Et tout seul dans la case de l'oncle Tamato, l'enfant se mit à réfléchir. Il songea à ses parents, aux arbres, au vent et au chant des oiseaux. Surtout, ah surtout, il pense à sa nouvelle amie. Au milieu de la nuit, il se réveille. Il se lève avec précaution. Doucement, il se dirige vers la case où dort Jimba. Il s'arrête. Il s'assoit devant la porte. Là, je m'installe ici pendant la nuit. Si quelqu'un veut faire du mal à Jimba, c'est moi qui la protégerai. Le soleil se lève et rien ne s'est passé. C'est moi qui te chante une chanson. Alors de jour en jour, le petit Tiam s'apprivoise. Déjà 8 jours ont passé. Il est toujours en visite chez l'oncle Tamatou, le grand bûcheron. Il rend 1000 services aux uns et aux autres, se rend ainsi très utile. Et son intelligence frappe Tamatou. Tu es bon travailleur, petit. Tu as bien la tête à sa place, tu me plais. Oh, je suis bête. Le singe me l'a dit beaucoup de fois. Il disait aussi que j'étais tout noir parce que j'étais sale. Oh, quelle vilaine plaisanterie que tout ça. Mais il ne faut jamais croire ceux qui aiment à se moquer des autres, et surtout un singe vilain, fripon, moqueur. Non, je vais t'envoyer chez le sage de la forêt, il t'expliquera, et il te fera comprendre bien des choses, va. Qui est-ce le sage de la forêt? Qu'est-ce qu'il me fera? Mais il répondra à toutes tes questions bien mieux que moi, et tu reverras Jimba, va, la petite fille des forêts. Et le lendemain, au réveil de la forêt, Tiam prend la route. Chemin faisant, il rencontre le roi lion, puis un puma, et même la dangereuse panthère. Mais Tiam n'a plus peur. Sous un immense bananier, l'attendait Jimba. Tiam et la petite fille des forêts traversent la brousse. Ils avancent vers une maisonnette perdue au loin dans les lianes. Tu le connais, toi, le sage des forêts? Si je le connais, c'est lui qui m'a guéri de la piqûre d'une vilaine araignée rouge. Il soigne toutes les maladies dans la brousse. Il en sait des choses. Il sourit toujours aux enfants. C'est vrai qu'il répond à tout ce qu'on lui demande? Oui, tu verras. Et maintenant, les enfants sont arrivés devant la maisonnette du sage de la forêt. Voyons ce tam-tam merveilleux. Ce n'est pas du tam-tam, c'est du piano. Le maître médecin l'a amené de son pays. Et avant d'arriver ici, il a fait bien des voyages. Ce n'était pas facile, surtout sur la pirogue qui à tout moment menaçait de chavirer quand un crocodile géant s'avançait. Comment s'est fait le piano que tu dis? Le piano, c'est une haute caisse. Avec ses doigts savants, le maître médecin tape sur des petits morceaux. Il y en a des blancs et des noirs. Et comme cela, il sort de la musique. Du reste, tu vas voir. Le maître médecin s'est arrêté de jouer. Il aperçoit les deux enfants. Il leur sourit. Quel bon vent vous amène, mes chers petits. Mon petit ami Tiam veut vous raconter un rêve qu'il a fait. Ah, je t'écoute, mon fils. J'ai rêvé que j'arrachais un arbre d'une seule main. Et après? Avec des lianes, je dressais une corde. Ah, et après? Après, j'accrochais la corde à la lune et je montais.
Et après? Pour monter jusqu'aux étoiles, je coupais un morceau de la corde en bas et je le rajoutais en haut. Mais tu es très intelligent, mon enfant. Mais là-haut, je rencontrais un singe qui me disait « Tu es simple, tu es noir, tu ne te lèves jamais. » Et tu l'as cru? Je ne sais plus. Oui, je crois. Hein? Et toi, Jimba, qu'est-ce que tu en penses? Oh, moi, je ne le crois pas. Mais je n'ai pas pu convaincre Tiam. Ah, suivez-moi, les enfants. Et le sage, escorté des deux enfants, les emmène près du fleuve, à un endroit où le sable humide formait comme une petite plage, mais sans la moindre ombre, et le soleil chauffait terriblement. Ah, viens, petit, agenouille-toi et appuie tes mains sur le sable humide. Pourquoi faire? Attends, attends. Ah, eh bien maintenant, regarde tes mains. Oh, Jumba, regarde mes mains. Oh, elles sont devenues roses à l'intérieur, comme celles du vilain singe. Eh, tu vois, le ciel t'a accordé une petite surprise pour que tu ne sois plus triste. Tiam, je veux t'expliquer encore quelque chose. Regarde un peu les lunettes qui protègent mes yeux. Je ne vous comprends pas. Eh bien, lève la tête, là, vers le soleil, et fixe-le bien. Ça te fait mal? Pas du tout. Vois-tu, mon petit Tiam, je ne peux pas, comme toi, regarder le soleil en face fixement sans me brûler les yeux, moi. Alors c'est pour cela que vous portez des lunettes noires? Eh oui, c'est ça. Je suis né loin d'ici, dans un pays où le soleil n'a pas la même vigueur. Pour ça aussi, ma peau est blanche comme la tienne est noire, afin que tu sois protégé contre les rayons ardents du soleil. Et il est donc bien bête, va, le petit singe, de t'avoir dit que tu étais sale. Ah, maintenant je comprends. Mon père avait raison. Jamais je n'écouterai plus les vilaines paroles du petit singe. Maître médecin, Tiam a tellement aimé votre musique. Ne voulez-vous pas nous emmener chez vous et jouer encore un peu sur les petits morceaux noirs et blancs de la haute caisse? Ah, le piano, tu veux dire, Jimba. Eh bien, venez, les enfants. Allons à la maison. Voilà, eh bien, il est tard, et il faut que vous retourniez chez vous. Et venez me voir de temps en temps. Hein? Au revoir, maître médecin. Au revoir, maître médecin. Viens, Tiam, tu vas rentrer vite chez ton père. Lorsque tu seras grand, tu reviendras, je t'épouserai, et nous serons heureux pour toujours. Terre des enfants, une émission de Marianne Oswald, réalisée avec le concours de Jacques Duchâteau, jouée par Chanty, Régine Chantal, Michel, Michel Dumur, Geneviève, Geneviève Druon, Marianne, Marianne Oswald, et Ami Pierre, Pierre-Olivier. Mise en onde, Christiane Mallarmé. C'était une production de Marianne Oswald.